I think it's people that don't know Cirque du Soleil as much that need to understand what it is, what is so magical about these shows. You know, Turuk will be very different because it's based on something we've already seen on film. Cirque du Soleil usually creates out of whole cloth. They usually create something completely new. And here they've taken somebody else's creation and they've riffed on it and told their own story. They're creating their own music. Turuk, c'est une histoire qui se passe 3000 ans avant le film, donc une légende, une histoire que les navis, les habitants de la Lune Panora, se racontent de génération en génération depuis des milliers d'années. Et on raconte l'histoire du premier qui a monté cet immense oiseau mythique qui s'appelle Turuk. C'est une bête, une créature volante. Il est en haut de la chaîne alimentaire. Une terre assez hostile, Pandora, et une éruption volcanique menace de destruction l'arbre des âmes, le Tree of Souls, qui est le lieu le plus sacré des navis. Deux jeunes, Ralu et Ntu, et Tial, une jeune navie qu'ils vont rencontrer, qui appartient à un autre clan, se ramassent presque malgré eux à accomplir une quête, et on suit donc la quête à la recherche du plus grand prédateur de Pandora pour tenter de sauver le monde, leur monde.